Bonjour à tous, Secteur 3 l'a bien compris, s'il veut faire fonctionner son Race Room Racing Experience, il faut étoffer les divisions qui fonctionnent en multijoueur, et c'est le cas de cette division GT3 qui reçoit 4 nouvelles voitures. Alors on va prendre des pincettes avec ce nouvelle voiture, puisque eh bien, ce sont 4 modèles déjà présents dans le titre, mais dans d'autres divisions, en GT1 et GT2 notamment, en ADAC GT Master, etc. Et là ils se sont dit, eh bien, on va vous les proposer, mais on va vous les faire payer, évidemment. Donc, les 4 voitures sont maintenant disponibles dans la division GT3. Il s'agit de la Corvette Z06, Ford GT, la Nissan GT-R et la Roof RT12R, qui elle par contre n'est pas officiellement une GT3, mais qui rentre dans l'indice de poids performance de la division. 4 voitures vraiment spécifiques, bien différentes à conduire, avec déjà eh bien, une puissance similaire, mais avec des répartitions de masse différentes, moteur avant, arrière, etc. Donc 4 comportements plutôt sympas. J'ai eu un petit fait pour la Nissan GT-R qui s'est bien amélioré avec l'update de ce 20 octobre. Par contre, très déçu du comportement de la Ford GT, un petit peu trop fade à mon goût. Pas trop d'avis sur la Ruff, assez neutre, hein, comme d'habitude les roofs qui sont assez neutres dans leur comportement. La Corvette est plutôt sympa, bel effort de nouveau sur le comportement, la gestion de la transmission, du transfert des charges, etc. Donc vraiment, ce Race Room commence à m'impressionner de plus en plus, et je vous invite eh bien, à monter le son et à profiter des 4 voitures que je vais vous présenter maintenant, avec chaque fois une caméra embarquée et ensuite le tour en vue télé, que vous puissiez apprécier chacune des voitures. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite explication, et je vous laisse profiter du reste de la vidéo. Montez le son les amis, ça vaut le coup. Thank you.